Eh bien salut tout le monde, c'est Full Games, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre épisode 15 de Batman Arkham Origins sur PC. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous pour le mieux. Je sais que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas refait de vidéo. Je n'avais pas refait de vidéo de Batman parce que l'épisode dernier, disons que très long et fort stylé, clairement. Je me remets toujours pas, je l'ai rematé vraiment pour vraiment me remettre dans l'ambiance. Et je l'ai adoré, franchement j'ai adoré l'épisode qu'on a traversé la dernière fois. Je n'ai pas fait de vidéo parce que vu les périodes actuelles que nous traversons, le confinement, tout ça, donc il y a les cours à distance, tout ça, donc j'étais moins occupé. Là j'ai un peu de temps, donc je vais de temps en temps faire quelques épisodes. J'ai pas voulu faire deux épisodes à la chaîne après le 14, parce que je trouvais que 1h30 ça faisait déjà deux épisodes complets aussi. Donc voilà, donc dans l'épisode précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Nous avons pourchassé le Joker, nous avons remonté tout le bâtiment, et donc il a fait sauter des immeubles. Et donc nous avons eu une énorme confrontation avec le Joker, plus Bane. Donc un gros combat, très scénarisé, très intéressant. Et donc le Joker s'est fait capturer et enfermé bien évidemment dans un asile de psychiatrique. Et nous avons fait la connaissance de Harley Quinn, la psychologue du Joker, qui en est tombée amoureuse. On a vu la scène et on a découvert l'origine story du Joker, où il est tombé dans une cuve chimique, où il a été malmené et il avait fait la rencontre de Batman, qu'il avait tenté de le sauver mais qui avait foiré. Et donc voilà, il veut un peu on va dire c'est un genre de gros fanboy. En gros, il a estimé qu'il se reconnaissait envers lui. Donc voilà, ça a toujours ce mythe entre ces deux personnages. Et donc on s'était arrêté ici, donc je peux pas vous mentir, ça faisait un petit moment que je suis pas retourné, donc je vais juste, non, passe, hop, je vais juste me remettre le scénar, acquérir la grenade collante à l'atelier, d'accord, donc, je sais qu'on a encore quelques quêtes annexes à faire, la localisation des objets, des secteurs plutôt. Alors on va parler à Alfred, est-ce que je peux le parler? Non, je peux pas le parler, très bien, donc, on va aller chercher nos grenades collantes, est-ce que c'est là? C'est là. Donc je pense que là, ça va être pour geler, je pense, très clairement les zones, hein. Grenade collante, très bien. Donc avec ça, si c'est ce que je pense, on va pouvoir atteindre une zone que je voulais depuis longtemps. Un des radars justement de Enigma. Acquérir la grenade collante à l'atelier. Rien ne vaut la pratique, Alfred. Analyser le corps dans la morgue du GCPD, d'accord. Trophée du personnage déverrouillé, le chaperon rouge. D'accord, est-ce que ça serait des nouvelles quêtes? Alors attendez, que je sache où je vais quand même, parce que... Vous avez de quoi compromettre Enigma? Je crains que non. Il est très sage, monsieur. Trop sage. Ne vous sous-estimez pas, Alfred. Je suis simplement réaliste. Écoutez, désactivez d'autres tours et je pourrai le localiser. Cela nous évitera de chercher des informations. Il vous les donnera lui-même. C'est parti. Ok, niveau supérieur. D'accord, ok. Donc, il fallait qu'on parle à Alfred pour cela. Bah écoutez, on a un niveau supplémentaire, écoutez, on va aller dans amélioration dans le prédateur. Alors qu'est-ce qu'on avait amélioré? Alors donc on a les doubles patarangs qui est très intéressant. On a le détonateur de mine, modifier la fréquence, d'accord. Ça je ne peux pas encore le débloquer, c'est quoi ça? Grenade collante à déclenchement de proximité. Cette amélioration ajoute un déclenchement de proximité à une grenade collante activée. Cela permet... D'accord, on vise et on tire, d'accord. Donc c'est un truc à distance, si je comprends bien. Dissimulation de l'empreinte thermique. Améliorer votre tenue avec un matériau de dissimulation qui masque votre empreinte thermique. Vous rendra indétectable pour les ennemis équipés du système de vision thermique. Ça peut être intéressant, ça, mine de rien. On a le double patarang qui m'a l'air très sympa. Écoutez, allez, on va le prendre pour le... Parce que je trouve que ça peut toujours être utile. On l'a bien utilisé quand même dernièrement. Bien. Alors, est-ce qu'il faut que j'active quoi que ce soit? Parlez à Alfred. Vous n'allez pas en revenir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Le GCPD m'a demandé si je pouvais espacer la fréquence de mes coups de fil. Apparemment, vous éliminez les criminels un peu trop vite pour leur système. Oh bah tant mieux. Et vous vous demandez pourquoi je me méfie de la police? Ah oui, c'est vrai. Vous étiez en mission ce soir. Je rappelle que tout ça, tout ce qu'on fait, ça se passe en une seule nuit. Durant les réveillons de Noël. Alors, inventaire des tenues de Batman. Ah, on peut avoir plusieurs tenues, c'est vrai. Putain, je joue totalement. Bon, non, on va garder la tenue de base. Hein. Voilà. Moi, je garde généralement... J'aime bien garder les tenues de base. Ok, bah écoutez, on va partir. Voyage rapide.
Ah oui, on a une enquête ici. On a les fréquences ici. Donner d'énigmas si tu veux. On n'avait pas plus. On a encore une tourelle à désactiver. On peut pas encore y accéder. Que je regarde la quête. D'accord. Donc il faut qu'on aille voir Enigma. Corps de la morgue. Ok, mais c'est à côté d'Enigma ça. Est-ce que ça fait partie de la quête ça ou pas, vous pensez? Attendez, je regarde un petit peu la carte parce qu'il faut que je me remette un peu. Là, je crois que je peux pas y aller. Bah écoute, on va avancer tranquillement, on va aller dans la quête. On va aller à notre quête. Maître Bruce! Non! Maître Bruce! Bruce! Enfin, il est hors de question que je vous autorise à partir comme ça! Oh là, vous êtes calme-toi! Tout seul contre ces assassins! Quoi? Vous êtes loin d'être un bagarreur aguerri! Vous êtes un jeune homme très fortuné et en colère! Vous êtes dépassé par tout ça! Et je ne veux pas que vous y perdiez la vie. Alfred, qui voyez-vous lorsque vous me regardez? L'enfant dont vous faisiez les lacets tous les matins? L'ado que vous conduisiez à ses rencarts? Pendant que vous passez vos nuits ici, je suis dehors! Je suis le seul rempart entre les innocents c'est et les prédateurs. Vrai! Non, mais... pas peut-être! C'est vrai! Quand l'agresseur ou le voleur s'arrête pour réfléchir, c'est de la peur! Voilà ce que je suis! S'ils ont employé des assassins, c'est parce que c'est à cause de moi que les criminels respirent mieux quand le soleil se lève! Alors non, Alfred, je ne suis pas dépassé par tout ça. Je ne serai pas vaincu ce soir. Mais eux le seront! Toujours ce fameux conflit entre Alfred et Batman où justement Alfred s'inquiète énormément pour, bah, pour Bruce, ce qui est normal. Et ce que je trouve très attachant, ça dit Alfred est un personnage attachant de manière générale. Ok. Alors, on va atterrir dans la ville. Je sais pas du tout si on peut déjà aller pirater les autres codes. Si on peut aller les pirater, ça serait sympa. J'espère que vous avez conscience que vous ne pouvez pas débarquer dans le GCPD après tout ce qui s'est passé ce soir. Je sais que je ne peux pas faire ça. Je vais devoir trouver un moyen d'éviter d'être repéré. Exact. Écoutez, je suis désolé pour ce que je vous ai dit. J'espère que vous comprenez que c'est parce que... C'est bon. Je comprends. Bah oui, on comprend, bah oui. Alors attendez, on va remettre un peu les choses en l'ordre. Ça fait très longtemps, on va vite fait aller ici. Je crois pas que je peux y aller. Alors attendez, je suis un peu paumé, je vais pas vous mentir parce que je... Ah putain, maintenant j'ai... Parce que actuellement, voilà, alors, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Non, je crois que je vous l'avais dit dans Tales of, mais pas autre, pas ailleurs. Actuellement, je suis en train de me faire les Assassin's Creed. Je découvre la licence. Enfin, je découvre. Je... Ah, bonjour monsieur. Je découvre pas vraiment parce que je connais la licence dans le sens où je sais que c'est populaire, tout ça. Je connais le principe, voilà, mais voilà, je m'étais jamais vraiment... attaché à y faire, et donc là je suis en train de me le faire, donc écoutez, c'est pour ça que je risque d'être un peu perturbé par les contrôles, parce que comme je fais sans cesse du Assassin's Creed, là je vous dis, hein, je suis au début, hop, ah oui on avait amélioré on avait des points électroniques, c'est vrai, hop, voilà, hop, hop, hop. On fait des coups critiques, c'est vrai, avec le... avec les points électroniques. Hop. Bon. Un petit combat par-ci, par-là, ça fait plaisir. Ça va me remettre un petit peu dans le gameplay. Hop, allez, casse-toi. Et voilà. Ah, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça fait du bien. Ok, alors je crois que c'est une cave, ça, non? Attendez, que je me gourre pas, d'accord. Donc ça, c'est fait. Place un marqueur. Oh là, putain, ça fait tellement longtemps. En fait, j'ai l'habitude de jouer à... Là, j'ai les contrôles d'Assassin's Creed 2 en main, là, pour vous dire. C'est pour ça que je sais pas très bien jouer. Alors, donc, on va juste... Donc, ça va être un épisode un peu reprise, hein, parce que ça fait déjà 3 semaines, voire un mois, je sais pas trop combien de temps. Je n'ai pas retouché un Batman. Donc, vous m'excuserez de ma maladresse pour aujourd'hui. Faut que je m'adapte, faut que je m'adapte. Donc, je vais juste aller au niveau de la contrôle. Alors, attendez. Est-ce que j'ai accès aux bombes collantes? Ok, donc si je fais ça, ça fait quoi? D'accord, donc c'est vraiment une grenade, en fait. C'est pas... Ok, alors. Bah, écoutez, je vais vous faire une petite ellipse. Je vous retrouve devant le... Comment dire?
La tour de contrôle, je sais pas si ça... Ce son, on y est déjà, tiens, d'ailleurs. Hop, attendez. Si c'est juste en dessous. Ok, on est juste... Ah, il y a des... Ok. Ah. Oh, bien joué. Ok. Ouh, j'avais oublié qu'ils étaient là, les gars. Ok, est-ce que si je tire sur lui, ça marche, vous pensez? Ok, on va aller tranquillement. Oh, oh. Qu'est-ce qu'on est pro? Alors, je crois pas qu'on peut y accéder, il me semble. Si, on peut? Non! Ah, maintenant, peut-être qu'on peut... Ah non, c'est bien ça, ouais. Putain, ça fait tellement longtemps. Oui, oui, j'ai eu ça, j'ai ça. Je peux pas encore y aller. Communication brouillard avec le bateau ordinateur. D'accord, d'accord. Ok, ok, ok. C'est moi, c'est moi. C'est la reprise, c'est la reprise. Ok, donc il n'y a que ces deux endroits. D'accord. Lui, en fait, pour y aller, je crois, il me semble qu'il me faut la grenade, le truc gelant, pour geler le sol. Mais ça, je ne peux l'obtenir que, à mon avis, en affrontant Mr. Freeze. Et je sais qu'il y a un DLC avec Mr. Freeze. Alors, je sais pas s'il faut d'abord faire le DLC ou pas. Si on peut éviter de se le farcir en DLC pour après obtenir et atteindre l'ordinateur. Si on peut déjà le rencontrer dans l'histoire, ça peut être pas mal. D'autant plus que j'ai pas encore acheté les DLC, et pourtant je devrais. C'est dans ma liste, en toute manière, les DLC sont dans ma liste. Ok, alors attendez, que je me remette un petit peu des contrôles. Bon, écoute, on va avancer tranquillement, on va aller à notre quête principale, à notre... Mais franchement, l'épisode qu'on a eu précédemment avec le Joker, franchement, même si j'aurais aimé autre chose pour ma part personnelle, parce que c'est vraiment en fait un copier-coller un peu de... Alors, je sais qu'il y a plusieurs origines du Joker hein, dans l'univers Batman, après je les connais pas tous. Moi, c'est sûr que celle que je connais le mieux, visuellement je parle, hein, pas en termes de scénario précis de ce qui s'est réellement passé en détail, c'est justement, il tombe dans la cuve comme on a vu dans l'origine de tout à l'heure. Ok. Alors on va se farcir les gars. Ok, alors on va se farcir les gars. Alors je sais pas s'il faut aller là. Je ne pense pas, mais bon. Hop. On va se farcir les gars. Hop. Hop. Alors on va se farcir les flics, c'est peut-être pas beau. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien, même en cette période un peu difficile de confinement. Moi, pour ma part, je suis comme vous tous, hein, je fais avec et c'en est difficile à par moments. Mais bon, j'espère surtout et principalement que vous allez bien sur le plan santé et que vous faites très attention à vous. Ça, c'est la priorité des choses. Protégez-vous, lavez-vous les mains, vous connaissez les messages par cœur au bout d'un moment à force qu'on vous les répète. Hop, voilà. Oh là 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 là. Ah putain, on avait fait un beau combo là pour une fois. Allez. Hop, voilà. Bon, ça va, ils sont pas trop méchants, je trouve. Ils sont assez calmes. Hop, voilà. Hop. Hop. Ah putain, je suis perdu. Oh putain, ma vie, j'avais pas fait gaffe à ma vie. Hop. Hop, allez. Dégage. Voilà. Hop, hop. Allez. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ouh, ok, ça m'a manqué. Ok, bon, c'était peut-être pas là qu'il fallait que j'aille aussi. Hein. Attendez, attendez, mais je suis con, c'est peut-être là, c'est peut-être en dessous, quoique. Est-ce que c'est là? Non, non, c'était en dessous, hein. J'avais vu une porte. J'avais pas fait attention. Ok, j'ai un extrême. Bah, j'ai eu du cul. Clairement, je m'attendais pas à avoir un extrême. Ok, ça doit être là-dedans, je pense. C'est là? Attendez. Ah, ça a l'air d'être là, écoutez. Bon, on y va, hein. On y va, on y va, on y va, on y va.
Ok. Analyser le corps dans la morgue. Ok, mais ça, on était déjà y allé. C'était là où on avait rencontré, je crois, il me semble. En sortant d'ici, je précise, les gars du chapelier. Je peux utiliser la grenade collante pour stopper la vapeur qui s'échappe. Ah, d'accord. Donc c'était bien pour ça, finalement. Donc ça avait bien une utilité pour... Ah, mais attends, mais c'est peut-être ça qu'il faut... Putain, mais ça veut dire que je peux déjà aller faire ce que je souhaite, alors? Quoique, non, ça bloque, ça ne gèle pas. À ne pas confondre. Alors, hop. Alors, ok, je peux pas faire plus. Ok. Est-ce que si je balance une bombe, vous pensez que ça marche? Oh mon dieu, ça marche! Oh mais ça marche! Mais... Oh putain, ok. Rien à foutre. Je vous fais une ellipse. On va aller à la prochaine zone de décodage. Alors, il faut déjà que j'arrive à me retrouver dans ce chemin. Oh non, rien à foutre. Hein. Écoutez, c'est un épisode reprise. On n'est pas forcément obligé de tout faire d'un coup. Ok, bon, en tout cas, je vous fais une ellipse vraiment à la tour radio que j'avais laissée et je vous dis à tout à l'heure. Ok, re tout le monde, ça y est, on est arrivé. Bon, ça a duré une minute ou deux parce que j'ai fait un voyage rapide avec la Batwing. Ok, donc ça y est, nous sommes arrivés au lieu que je souhaitais. Donc voilà, il faut y aller par en dessous, je crois, il me semble. Voilà, c'est ça, je crois que c'est tout ça. Ok, donc voilà, c'était ça que je voulais. Alors, on va en balancer une. Hop. Non. Voilà, tu me fais ça. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Bon, c'est pas très beau, je trouve. Voilà. J'ai lu tout ce que je savais dans celle-ci. Vas-y, essaie si t'emmerdes dans lui. Mais tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Bien sûr, je vais me gêner. Bon, écoutez, on est là pour reprise, donc écoutez. Ouvrir la porte. Ok, on va analyser tout ça. Ok, donc il y a des gardes. Ah oui, non, j'ai clairement bien fait de venir là. Ok, il y a plein de gars. Salut les gars. Hop. Hop, allez, ça c'est fait. Attaque spéciale. Hop. Oh putain, j'ai plus les mêmes réflexes, ça c'est clair et net. J'ai perdu mes réflexes de combat. Ça va revenir, écoutez. C'est la reprise, voilà. Je trouve qu'avec un gros épisode qu'on a eu, franchement, un petit épisode un peu plus calme, si je puis dire, c'est-à-dire un peu blabla, on va dire, voilà, un peu plus routine, on va dire. Hop, ça c'est cadeau. Hop, c'est tellement stylé les gants électriques. Et je remarque que ça fait des coups en 2-2. Ça vaut à deux coups un point. C'est tout? Wow, bonjour! Bien joué, ça je l'avais pas vu. Oh, tu es tenace, je te l'accorde. Mais tu ne fais pas le poids contre mon incroyable intelligence. Il va vite t'en rendre compte. Ok, alors ça, c'est cadeau. Hop, ça va, on a de bons niveaux, là, on est en mode extrême, c'est plutôt réjouissant de voir ça. Hop, on avait, je crois, en plus débloqué, il me semble, dans l'épisode précédent, une technique permettant d'avoir, justement, une exécution via les câbles, je crois. Bonjour, les gars. Alors, je sais plus comment on fait déjà la technique de l'exécution avec les batarangs. Je sais qu'il faut au minimum deux adversaires. Hop, tu dégages. Aïe, bien joué. Ah putain, la caméra. Ah, ça sent que je suis rouillé, hein, mon dieu.
hop, et boum. Voilà, bon, c'est plutôt sympa comme zone, écoutez. Allez, on va avancer. Je suis sûr que quand on aura fini ceci, on va pouvoir atteindre la dernière qui nous fait chier depuis longtemps. Ok, je regarde s'il n'y aurait rien d'autre dans le coin. Non, bah écoutez, on y va. Allez, ouvre-toi. Allez, on va essayer de faire en mieux. Hop, allez, déverrouille-moi ça. Alors, pirate réseau Gotham, d'accord. Tu vas les... Tu vas le regretter. Bah voilà, c'était parfait. Dire qu'on ne sera jamais d'accord et continuer notre route. Je ne crois pas. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est pas comme si j'aidais les méchants du coin. Enfin, pas tout le temps. Tu violes la vie privée des autres. Il y a je sais pas combien d'assassins qui se promènent librement et tu oses me donner des leçons parce que je vends des informations? T'as drôle de priorité. Tu vas t'occuper de Gotham Optique après? Ou peut-être des télévendeurs? Si ces informations tombent entre de mauvaises mains, des gens pourraient souffrir par ta faute. Il y a des gens qui souffrent par la tienne. Bon, j'imagine que tu vas aller te constituer prisonnier au GCPD. C'est ce que je pensais. Bien. Bon bah voilà, on a fait la dernière zone, enfin. Enfin, quand je dis dernière zone, c'est vite dit. Hop, alors je vais regarder la carte. Oh, mais c'est tout ce qu'il y a. Oh, il y a juste ça. C'est tout ce qui manque. Bah écoutez, on va finir les petits radios, on va se faire tous les... Bah écoute, ça sera un épisode un peu secondaire finalement. Ça sera un épisode consacré pour Enigma, écoutez. C'est pas plus mal, écoutez, ça change. Ça sera un peu l'épisode reprise pour la quête secondaire. Donc, on va se faire les petites machines. Là, en plus, on n'a pas beaucoup, je trouve, pour une fois. On va se les faire et hop, on fonce direct à la prochaine tour de communication. Alors, on va... Ah putain, j'ai perdu mes réflexes de commande. C'est horrible. C'est très désagréable. Quand t'appuies sur une touche et que tu crois que ça va faire ce que tu souhaites, parce que t'as joué à un jeu précédemment pendant longtemps... Là, je suis à fond sur Assassin's Creed 2, donc j'ai les touches qui me reviennent en tête, c'est horrible. Ok, alors est-ce que j'en ferai un let's play Assassin's Creed? Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Pour l'instant, j'y joue vraiment bien de mon côté. Peut-être que j'en ferai un let's play, ouais, si je me sens, mais bon. À voir, c'est pas ma priorité pour l'instant, même si je sais que c'est une série que j'aime, que je respecte et que je commence à bien apprécier finalement. Alors, attends. Aïe 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 aïe. Attends, on va reculer. Qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est moi, c'est une tour radio que je voudrais. Ah, c'est peut-être derrière. Ouh, un petit dossier, ça fait plaisir. Ah, attendez, doit y avoir une technique pour l'obtenir. Ah, c'est en dessous. Ok, bon, écoutez, le dossier, on peut peut-être s'en passer, je pense. Ah, ok, c'est bon, il est là. Hop. Hop, voilà. Hop, ah, mais on en avait déjà détruit, ok. C'est pour ça que je me disais qu'il y en avait peu. Ok, allez, on va aller à la prochaine. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est sur le chemin pour la dernière, donc c'est pas plus mal. Ça nous évite de faire 50 000 allers-retours. Vous me direz, j'ai le voyage rapide, hein, si besoin. Parce qu'on est à l'autre bout de la ville, on va pas se mentir, c'est loin. C'est chiant même de se farcir tout ça tranquillement à pied, on va dire. Ok. Voilà, ça c'est cadeau. Il y en a une derrière. Hop, voilà. Ok, moi je dis qu'elle est en dessous. Voilà, on se taille. Voilà, vous m'avez pas vu les gars, vous m'avez pas vu. Ce n'est qu'une ombre. Hop, tac. Voilà, donc en plus l'avantage c'est que comme on est tous en travail à distance, de par mes cours un peu d'une part aussi, bah quand j'ai un peu d'occasion, voilà, dès que je pense, voilà, hop, je fais un petit record. Puis j'avais envie de me faire un petit record, ça faisait longtemps quand même, puis ça change un peu la tête, on va pas se mentir. Ça fait plaisir un petit peu de jouer un petit peu de temps en temps. Hop. Ok, alors il y a plein de gages, c'est dans le coin. On va passer à côté.
On va activer le scan. Alors, ça doit être là. Voilà, c'est ici. On va atterrir ici. Hop, voilà. Et voilà. Ah, il nous en manque une. Oh, c'est parfait. Elle est juste à côté. Bon, bah voilà. Écoutez, c'est nickel. Ça fait plaisir. On finit au moins la quête de Enigma. Bon, vous me direz les deux. Je crois qu'il fallait en plus détruire les dossiers, il me semble. Hein. Bah, les petits brouilleurs comme ça, fallait tous les détruire. Fous-moi la paix. Tu m'as pas vu. Je sais pas où j'en suis niveau vie. Par contre, si on a tout amélioré au max ou pas, ça c'est la question que je me pose. Hop, on va planer jusque là. Ok, bon, ça va. Hop, relais réseau. Voilà, on en a 10. Bien, bon, bah alors on va aller direct à notre prochaine destination qui est ici. Voilà. Le petit temps de chargement bien caché des familles. Voilà. Hop. Alors, attendez, on va juste se mettre le marqueur ici. Normalement, ça devrait être bon. Hein. Au pire, si on l'a pas fait, c'est pas grave. Ça sera un peu l'épisode de reprise, on va dire. Alors Tales of, bien évidemment, ça va reprendre, je vous rassure. Mais là, j'avais pas vraiment envie de me casser la tête sur un Tales of. Dès la reprise, sachant que j'avais déjà fait 2 épisodes par le passé. Ça aurait fait 3 épisodes là à la suite sur la chaîne. Donc autant reprendre avec un Batman. D'autant plus que là, on a fait un gros épisode d'1h20 à peu près, je crois, pour Batman. Avec le Joker consacré. Donc voilà. Ça comptait pour 2, moi, je pensais. Donc... Aïe. Tu m'as pas vu. Okay. Aïe. Ok. Sécuriser la zone avant de continuer. Ah, fais chier. Là, je vais y passer, là, si je fonce. Hein. Ok, alors. Le sniper, il est où, là? Alors attendez, hop, ça c'est cadeau. Non. Si j'ai trop. Voilà, anarchie, ça fait plaisir. On va s'occuper de lui là parce que il y en a un qui m'emmerde là. Oh putain. Oh, d'accord, ok, j'ai traversé le mur, pas de problème. Bon, c'est pas grave. Je les avais pas vus. Bonjour, Joker. Je dois dire que je te pensais bien plus costaud et plus acharné. Ouais, si tu veux. Allez, c'est pas grave, ça faisait longtemps. Je suis pas trop dans le move, dans le sens je vais rager. Non, je suis plus dans le move décontracte. On va se faire un épisode sans plus. Oh putain, non, j'ai eu peur, j'ai cru que je prenais de loin. Ok, donc ça c'est fait. Ok, alors attendez. Alors on va y aller tranquille. Ok, alors attendez que je sache où je vais quand même. Ok, il y a des snipes dans le coin quand même, non? Hop, voilà. Hop, voilà. Ça fait plaisir aussi. Le gars il voit rien, hein, à part ça. Voilà. Bon. Au moins ça, eux, c'est fait. Espérons qu'ils nous laisseront un peu tranquille. Je sais qu'il y a d'autres snipers dans le coin. Hein, c'est clair et net. Ok. On va y arriver. Ah, monte par contre, s'il te plaît. Ah, on a un petit... C'est quoi si je fais ça? Oui, d'accord. Ok, bon, c'était cadeau.
Je vais pas m'en plaindre. Ah putain, mais je me suis éloigné moi comme un con. Ah putain, moi et l'orientation, ça fait deux. C'est incroyable. J'ai pas d'orientation moi dans les jeux. Hein. Allez, alors. Ok, donc on a un sniper dans le coin. Hop. Hop, voilà, ça fait plaisir. Hop. Oh putain, je suis attaqué dans tous les sens par contre. Okay. Hop. Ok. Si je m'en sors bien. Les snipers, ils font vraiment mal, hein, je te... Allez, ah putain, il fait mal le sniper. Il y a, ok, il y a un sniper dans le coin qui fait, qui traîne. Ouais, qui c'est ça, c'est, ah, c'est Enigma, ça va. Moi, je suis peur. Avoir rencontré mon alter ego intellectuel. Je suis très déçu. Ouais, ouais, bon, ça va. Putain, c'est vraiment pas le feu. Je suis désolé, hein. Franchement, je suis désolé. Allez. Ok. Allez, on va s'en occuper. Allez, bouffe-toi ça. Allez. Allez, toi, je te combo. Hop, voilà. Allez, tu dégages. Et toi aussi. Putain, un truc aussi chiant, j'arrive pas, là. J'ai du travail. Et tu viens contrarier tous mes plans. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez. Ok, bon. Comment ça, je fais pas encore? Non, c'est sérieux? Question brouillée avec le bat ordinateur. Oui, d'accord, mais comment ça se fait alors que j'ai brouillé tous les trucs? Tu vas... Ah putain, tu vas me dire que j'ai fait tout ça pour rien. Non, d'accord, ok, j'ai compris, je peux pas encore y accéder. C'est étonnant quand même. Pourtant j'ai fait toutes les communications, j'ai tout fait. Bon bah écoutez, ce sera un épisode fail, on va dire. Bon écoutez, c'est pas grave, ce sera un épisode fail. C'est bien ce que je pensais. Mon intelligence supplante la tienne. Non, c'est pas ça, c'est que c'était mal indiqué. Bon écoutez, c'est pas grave, si on les a pas toutes faites, c'est pas grave. C'est un peu dommage qu'on puisse pas faire Enigma. Bon, peut-être que plus tard, ça sera possible, je pense. Bon écoutez, je vais vous laisser devant la prochaine zone. Je vais de suite enchaîner avec un autre épisode sur Batman. Voilà, on va continuer dans la quête principale. C'est un épisode un peu plus tranquille, un peu reprise. Hein. Je suis désolé de mon jeu, hein, de gameplay. Alors, est-ce que si je rends visite, est-ce que vous pensez que si je... Parce que... On va tester un truc, tiens. Est-ce que si je rends visite... Normalement, il avait dit qu'il fallait tout déverrouiller. Bon là on peut pas parce qu'il nous manque la dernière. Est-ce que vous pensez que si je fais cela... Utiliser, ok. On va tenter, on va voir un petit peu s'il y a eu l'évolution. Juste après ça et on check vite fait ça et après je vous laisse. Ah je crois que j'ai vu. Ah oui, je crois que ça dure hyper longtemps son truc, je crois. Non, ça va. Ok. Ok, si je fais ça. Non, c'est pas possible parce qu'il nous manque la dernière. Pas de clé, pas d'entrée. Ok. C'est bien ce que je pensais. C'est très clairement ce que je pensais. Ouh, ça c'est cadeau ça. Ça, j'avais pas vu ça. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Oh, il nous manque pas beaucoup pour niveau XP, dites-moi. Bon, écoutez, dans le prochain épisode, on va aller au niveau de la morgue pour analyser le corps. Et puis voilà, on va checker tout ça. Donc merci d'avoir regardé cet épisode 15, épisode reprise, très calme, un peu brouillon, je peux vous mentir. C'est la reprise, de toute manière, ça faisait très longtemps que j'avais pas rejoué un Batman, donc c'est normal que je sois un peu paumé.
Et donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire à la vidéo, ça me fera très plaisir. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram. Merci d'avoir regardé cet épisode. Protégez-vous, faites attention, demandez des nouvelles de vos proches. Je sais que c'est rien, mais c'est toujours ça. Faites attention, la santé avant tout. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.